Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler du full lips. En fait, c'est le full lips. C'est quelque chose, en fait, c'est trois petites ventouses. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est des petites ventouses qui sont censées repulper les lèvres. Donc, je vous avais dit de faire attention à, sur ma page Facebook, de faire attention à ces petits gadgets là, parce que il y a certaines youtubeuses qui ont testé soi-disant ce gadget là et qui ont eu des surprises, c'est-à-dire qu'ils sont restés la bouche en canard et la bouche soi-disant est restée toute gonflée. Donc je me suis renseignée et je pense que c'est un fake, qu'elles ne sont pas restées la bouche en canard, ou alors c'est que vraiment elles ont beaucoup aspiré la ventouse pour en arriver là et que leurs vaisseaux ont éclaté. Donc moi je voulais vous faire économiser 50$, donc entre 40 et 50€, parce qu'en fait ces trois petites ventouses qui s'achètent soit par une seule qui vaut 19$ ou par trois qui coûte 49$, enfin en gros 50$. Donc moi je voulais vous faire économiser ça si vous voulez vraiment avoir des grosses lèvres. En fait c'est gratuit, donc moi je voulais vous le faire économiser, c'est à dire que vous pouvez le faire gratuitement entre parenthèses, parce que c'est quelque chose que vous aurez acheté et que vous avez toutes à la maison. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez avoir gratuitement sans être obligé d'acheter les fameuses petites ventouses que je vous mettrai en photo bien évidemment ici. Donc c'est tout simplement un bouchon, voilà. Alors moi c'était une bouteille de produits solaires pour les cheveux. J'ai pris le bouchon parce que j'ai trouvé que la ventouse était en ovale. Donc vous pouvez tester les bouchons ronds comme les bouchons du déodorant Dove ou les bouchons comme ceci. Moi j'ai voulu tester celui-ci et je vais vous expliquer la manière pour justement faire gonfler les lèvres. Donc par contre, n'aspirez pas très fort. Enfin, ne mettez pas toute votre force dans l'aspiration, car vous pouvez éclater vos petits vaisseaux que vous avez autour des lèvres et vous risquerez d'avoir le contour des lèvres bleu en fait, et ou avoir carrément des bleus, et ce ne serait pas très joli. Donc je vais vous expliquer le concept. Donc vous avez ce petit bouchon qui va servir de ventouse et il va falloir que vous aspiriez entre 15 et 30 secondes dans ce bouchon là. Bon, je vais vous le faire en direct, mais ne rigolez pas, parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de pas très beau à faire. Il faut vraiment que vous le fassiez à la maison, pas devant tout le monde. Donc, je vais vous montrer. Déjà, je vais le faire comme ceci et je vous mettrai bien évidemment les photos avant-après du gonflement de mes lèvres. Donc, vous mettez le bouchon comme ceci devant la bouche et vous faites une petite aspiration, pas très forte, hein, vraiment une petite aspiration. Voilà, bon, bien évidemment vous avez le rond autour de la bouche, donc ça va s'estomper au fur et à mesure. Et moi ce que je fais ensuite, en fait vous allez voir, quand vous allez avoir l'aspiration, vous allez sentir, le sang en fait aller au bout de vos lèvres. Donc moi une fois que j'ai fait celui-ci, je vais mettre le bouchon comme celui-ci, comme vous faites avec les full lips, et je vais tout simplement aspirer aussi. Ma lèvre est un petit peu plus gonflée. Bon, bien évidemment, j'ai la marque du bouchon autour de la lèvre. Mais on dirait que je me suis pris un coup. Mais hop, on va cacher ça avec un petit peu de fond de teint. Et
Quand vous avez fait, bon, la marque va s'estomper bien sûr au fur et à mesure. Quand vous avez fait ça, vous mettez un petit peu de rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà comment vous faire économiser 50$ avec tout simplement un bouchon de n'importe quoi, un déodorant ou même un, on m'a dit qu'un bouchon de bouteille ça marchait aussi, donc j'ai pas testé parce que c'est vraiment tout petit un bouchon de bouteille. Après tout dépend de la grosseur de vos lèvres que vous voulez faire. Moi je voulais vraiment faire toutes les lèvres, donc tout dépend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en ferez bon usage surtout parce que c'est... Par contre, j'ai oublié de vous dire que l'effet dure environ entre 1 heure et peut-être 3 heures. Tout dépend de vos lèvres ou de l'aspiration, je ne sais pas. Donc après, c'est à recommencer dans la journée. Donc vous pouvez prendre le bouchon dans votre sac comme les Flips. Mais je déconseille quand même de le faire toute la journée parce que à force je pense que vos lèvres seront abîmées. Donc c'est vraiment à faire en cas de... Vraiment comme ça quoi, pour les occasions où... Moi je le ferai pour m'amuser ou... Voilà quoi. J'espère que vous en ferez bon usage et que vous n'en abuserez pas parce que moi je trouve vraiment pas que les grosses lèvres sont très jolies. Moi j'aime pas du tout le rendu que ça fait sur moi. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous montrer, pour vous faire économiser les 50$ parce que je sais que beaucoup de personnes avec les lèvres très fines seront contentes de cette astuce. Parce que je sais que beaucoup de personnes aimeraient avoir des lèvres un peu plus épaisses et c'est vraiment un bon compromis pour le faire. Voilà, bon, moi personnellement je ne le ferai pas, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve dans cette prochaine vidéo, et en attendant prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, bye bye.